Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour jouer à Formula One 2000 sur PlayStation. Alors je viens de me taper l'introduction comme vous, hein, évidemment. Et décidément, les moyens sont un peu en baisse quand même. Quand on voit l'introduction du 99 qui était, je trouve, géniale. Celle du 97, bon, très courte, pourquoi pas. Celle du 98, un peu plus longue, pas mal aussi. Je me dis que là, bon, elle est jolie, rien à dire. Par contre, elle aurait pu être un peu plus classe. Alors je suis bête, j'aurais dû faire start. Non, on va faire, on s'en fout. Non, j'ai appuyé sur le bouton, il fallait pas. Bon, c'était pas ça. Attendez, on va faire start direct. Non, vous avez rien vu, il ne s'est rien passé. Retour dans le passé, voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Formula One 2000 sur PlayStation. Alors je sais pas si vous avez vu l'intro, hein, mais. Non, allez, je rigole. Donc c'est parti. Alors on a un menu démarré qui est assez bizarre, hein, franchement. Alors ça, niveau sobriété, on est au niveau d'un Wipeout premier du nom, c'est assez extraordinaire. Ah, ils ont fait fort. Hein. Alors on a un mode arcade, un mode grand prix, un mode chargement, voilà, et un mode deux joueurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode bah, grand prix, hein, pour commencer. C'est là où en général on a plus de choix. Et dans le menu grand prix, donc on a un menu option, course simple ou championnat. On va d'abord voir ce que l'on a dans le mode option. Donc on peut sauvegarder le jeu, on peut configurer le son. Alors, ok, effect volume, musique volume, commentary volume. Bon, on va laisser par défaut. Hein. On va faire back. On peut modifier donc les contrôles et l'écran. Alors l'écran, je pense que c'est juste la position. Ah, on peut, ça marche vraiment. Ah, pour une fois, regardez, on peut changer l'écran si on veut. Incroyable. Allez, on va faire start, on va faire retour. Donc ce menu, bah écoutez, je le trouve ultra sobre, je pense qu'on peut pas faire pire. Faudrait, limite le plus sobre serait un écran de Commodore, quoi, ou de CPM des années 70. Parce que là, franchement, c'est ultra, ultra simpliste. Alors on va faire single race pour commencer. Alors, on peut choisir le circuit, le pilote, on peut choisir le réglage de course, les réglages de voiture, encore les options à nouveau, et faire course. Alors on va commencer directement pour voir les circuits de la saison 2000. On a donc le Grand Prix d'Australie, le Grand Prix du Brésil, le Grand Prix de San Marin. On est toujours dans ce qui me paraissait logique à l'époque, c'est-à-dire que le Brésil sont en début de saison. Ce n'est plus le cas maintenant. Le Grand Prix de San Marin, donc on a le Grand Prix d'Angleterre. Ah oui, qui était très très tôt en 2000 d'ailleurs, c'était une particularité de la saison 2000, c'est que c'était le... C'était en avril, je crois, qu'ils avaient fait le Grand Prix. Ensuite, le Grand Prix d'Espagne. Le Grand Prix d'Europe. Alors je crois que le Grand Prix d'Europe a encore l'ancienne chicane, oui. Puisqu'effectivement, là, on va voir là sur la vidéo, à cet endroit, il y a Verstappen et Ralf Schumacher qui se touchent et qui partent. En tout cas, l'un des deux part en tête à queue et personnellement arrière. Ensuite, on a le Grand Prix de Monaco. Ensuite, on a Montréal. Donc toujours, comme dans le Formule 99, souvenez-vous, on a la petite... voilà, on peut voir la piste en vidéo, ça c'est bien. On a le ring, on a l'Hockenheimring. Alors je passe un peu vite quand même, parce que vous connaissez quand même le circuit, hein, c'est souvent les mêmes. Le Grand Prix de Spa, Monza, Indianapolis, qui faisait son retour bah, après, enfin, après des dizaines et des dizaines d'années, hein, on va dire le Grand Prix des États-Unis faisait son retour. On a le Grand Prix de Suzuka. Et on terminait à Sepang. C'est assez étonnant quand même. Alors je vous propose de mettre une course, on va mettre une course de milieu de saison en tant qu'à faire, parce qu'on va pas forcément les faire si on fait un championnat pour tester, on commencera pas par ces circuits, on commencera par Melbourne. Donc on va faire un circuit très classique, bah, le Grand Prix d'Europe, allez c'est parti. Donc on va choisir ce circuit. On va choisir donc notre pilote. Et là nous allons voir si la 3D du jeu est bien faite, hein, si on compare à 97 ou 90 ou 99. Alors, non, on a la Jaguar d'Eddie Irvine, et oui, Jaguar qui débutait en F1 en 2000. On va faire un petit peu le tour avec Johnny Herbert, voilà, qui faisait sa dernière saison de F1 d'ailleurs. On a les Williams BMW, donc le retour ou l'arrivée de BMW, c'est plutôt le retour, hein, parce qu'il y avait déjà eu des moteurs BMW dans les années 80. Avec le nouveau Jenson Button, voilà. Ensuite, donc, on a Physique qui est là chez Benetton et Alexander Wurz, ça n'avait pas trop bougé. On a les Prost d'Alesi et d'Heidfeld, la pire saison de Prost, je vous rappelle, parlons F1, on en a parlé de ça.
La Sauber de Pedro Diniz et Nicastello, normalement. On a les Aros de Pedro de la Rosa et Jos Verstappen. Ensuite, on a Minardi de Marc Gené. Alors, les 3D sont bien faites, hein. Elles sont quand même plutôt correctes. Elles ressemblent à peu près à la 3D réelle des voitures. Mazzacane, le meilleur pilote au monde. Jacques Villeneuve chez Barre, donc évidemment, c'est les derniers, puisqu'ils ont le. Ils ont fini dernier en 99. On arrive avec les lourds, donc c'est-à-dire les McLaren. Évidemment Ferrari, hein, les champions de la saison 2000, Schumacher et Barrichello, pardon. Et on arrive donc à la fin avec les Jordan, normalement, de Frenzen et Yann Trulli qui rejoint l'équipe. Bon bah écoutez, on va prendre la Jaguar, allez c'est parti. Donc on va prendre, pourquoi pas, Eddie Irvine. On va voir les réglages de course, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans ce jeu. Alors ils ont regardé un peu le système, puis j'aime pas trop ce système d'icônes là, qui est pas trop visible. Bon, on peut choisir donc un niveau. Voilà, on peut mettre réel, rainy, cloudy, sunny, donc en gros beau, pas beau, pluie ou réaliste. On va mettre réaliste. Skill level, je vous propose de mettre en normal, histoire de voir ce que ça donne. Grid assist, on va mettre off. Le fuel, on va mettre off pour le moment. 5 tours, ça me paraît long. Mais on peut pas faire plus. Enfin, on peut pas faire moins, on peut faire que 5 tours. Les drapeaux, on va les garder. Ah, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les dommages. Alors, on peut choisir que les pneus s'abîment. Off. Alors, attendez. Là, j'essaie de comprendre. Full. Full dommage, on va mettre ça. Voilà. Failure, on va mettre. Ou partiel ou full, donc on va mettre évidemment les avaries de course au maximum. Je veux voir ce que le jeu a un peu dans le ventre. Et on a le pit assist, on va le laisser en off, donc ça c'est parfait. Bon, au moins le menu reste assez clair quand même. Je pense que c'est facile à comprendre. Allez, c'est parti, on va lancer une course. Je pense qu'on va avoir, voilà, la possibilité de faire des essais pour commencer une qualification, une course. On va faire une qualification, tiens, pour voir comment ça se passe. Et on va surtout découvrir le jeu. Puis dans le début, on remet à Grand Prix, c'est en 99. J'ai 99, c'était pas ça? Bon. Alors, on est dans les stands. On peut changer pit setup, front wing, tire, type de pneus, pression des pneus. Oh non, je mettrai soft. Ça. Voilà, on doit attendre 2 secondes, ça c'est bon. On peut changer le rear wing, la pression. On va le faire ok, on va le laisser comme ça. On peut commencer un tour rapide dès le début ou démarrer juste en course avec le tour de lancement. On va commencer avec le tour de lancement. Allez, c'est parti. Ah, il me dit que la vitesse était trop rapide dans les stands. Bon, je pense pas avoir une pénalité, enfin j'espère pas. Alors, l'ancien circuit, voilà, donc avec la chicane droite-gauche du Nürburgring. Alors, on a une vue. On a une vue plutôt bien faite. J'adore cette vue, concrètement. Elle est quand même pas mal. Regardez, c'est quand même bien fait. Les reflets sont plutôt jolis. Le volant bouge. Là, regardez, même les mains changent les vitesses. Alors, c'est quand même particulier, regardez. Parce que normalement, quand on change la vitesse sur un volant, vous utilisez les palettes à l'arrière. Et bien là, en fait, j'ai l'impression qu'ils appuient sur un bouton à l'avant. C'est assez bizarre. Alors c'est pas une vue que je vais garder, hein, je vous le dis tout de suite, c'est juste pour vous montrer un peu ce que cela donne. Donc on a un bon effet de vitesse. On a une vue ras du sol. Au moins la vue est fluide, ça c'est bien. On a une vue éloignée, une vue proche et une vue cockpit. Donc vous regardez là, cette vue là, ou la vue un peu plus proche si vous voulez. On a une vue de derrière. Là on peut freiner, voilà. On arrive à la chicane, il nous reste un virage à droite et puis c'est bon. On va arriver sur la ligne droite de fin. Écoutez, on va faire un tour entier, hein, voir le temps qu'on peut faire. On est en qualification, donc autant en profiter. Alors, le jeu est en anglais, évidemment, le jeu existait en français. Hein. Alors, ce qui est un petit peu dommage au niveau des vues, c'est qu'on n'a pas une vue au-dessus. On a une vue dans le cockpit, effectivement, ça c'est pas mal. J'aurais bien aimé une vue juste au-dessus de la prise d'air moteur, par exemple, ça aurait été pas mal. Putting in a few laps at the very end of the session.
As long as they cross the start and finish line before the 60 minutes is up, then that lap will count. The 107% rule is there to weed out drivers that are so slow that, for whatever reason, they might be a danger on the... Oh, what's this? He's off onto the grass! Alors je vous ai laissé les commentaires parce qu'il parle depuis tout à l'heure. Sans discontinuer, il a parlé. Alors il parlait de l'arrêt des 107%, il a parlé de je ne sais plus quoi avant, j'ai pas trop eu le temps d'écouter en même temps. Donc les commentaires sont toujours Murray Walker, vous l'aurez compris pour les versions anglaises. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des graphismes, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est propre. Ça ressemble un peu au 90e de certaine manière, mais c'est quand même beaucoup plus net. Moins d'effets à la con. La cheminée par contre en haut est un petit peu dommage pour moi, enfin il est plutôt classe, c'est pas de souci. Mais bon, il fait pas trop F1, enfin je sais pas, c'est... Ça fait bizarre. Alors qu'en bas ils ont quand même gardé le système télévisuel de l'époque. Hein. Alors je vais te faire un dernier tour. Hein. Le jeu est propre, le maniement c'est pas mal, je trouve que la voiture réagit bien, on tourne droite-gauche, c'est pas trop fort, regardez quand on tourne un petit peu, c'est quand même bien fluide au niveau de la direction, c'est pas trop par à coup, ça c'est vraiment une bonne nouveauté par rapport au 99 qui était un petit peu trop exagéré à ce niveau-là, et surtout bah, beaucoup mieux que le 98, mais ça c'était pas difficile. Allez, j'essaie de finir mon tour, on va voir quel temps on fait. On est en mode moyen, je le rappelle. Alors, à savoir que si je freine trop fort, la voiture va partir en tête à queue. Comme les anciens Formula 1, enfin en tout cas à partir du 98. Le tracé m'a l'air plutôt fidèle. Un peu de choses près, hein. Il n'y a pas le GPS, mais c'est quand même plutôt pas mal. On va faire start, on va faire retourne to pit. Ah, et on peut voir aussi les... Alors, j'ai l'impression qu'on ne peut pas voir les autres voitures. Si je fais select, il se passe rien. Par contre, je peux avancer le temps. Je vois que 30 minutes de la fin, on est toujours premier, j'ai l'impression. Qualifying standing, voilà. Donc là, on est un peu loin, par contre. Je sais pas où on est. On est dernier, ça se trouve, non? Ah, attendez. Le 22e est là. Nous, on est là. On est 14e temps. Mais écoutez, pour un premier tour en piste, c'est plutôt correct. Allez, on va faire fin des qualifications. Et on peut éditer la grille, on va pas le faire. Mais ça, c'est pas mal. Hein. Si on veut pas remettre les Minardi devant, on pourra le faire. On va faire start race directement. Coulthard is in pole position. Häkkinen is alongside on row 1. Barrichello sits in third place. Schumacher takes fourth place. Schumacher takes fifth. In sixth spot is Frentzen. Seventh place for Fisichella. Villeneuve is eighth. Zala sits in ninth. Trulli will start tenth. Diniz is 11th. 12th place for Verstappen. Button is in 13th place. 14th place is Irvine. De La Rosa starts. Alors, on pourra voir tout jusqu'à la fin, mais on va on va passer. The lights go up one at a time. There's a pause of up to 3 seconds. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est très intéressant par contre. Vous avez vu qu'au départ, on s'est pas fait rouler dessus. C'est souvent une habitude en général dans les jeux de F1. L'IA démarre toujours mieux que nous. Et en général, il y a un paquet qui se forme au premier virage et on les double tranquillement. Et bien là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et franchement, ça fait plaisir parce que c'était un truc que je trouvais un énorme défaut. Oh là, j'ai parti en tête à queue. Attention, j'ai trop accéléré dans l'herbe. Alors, ce qui va être intéressant maintenant de voir, c'est l'IA, justement, en parlant du départ et du premier virage. Est-ce que l'IA, voilà, est-ce que l'IA va être incisive? Est-ce qu'elle va être brouillonne? Est-ce qu'elle va... Oh, j'ai tapé. Est-ce qu'elle va nous couper la route? Est-ce qu'elle va nous esquiver? On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, dans les premiers tours de roue, je dirais que c'est quand même pas mal. L'IA a l'air... Elle a bien correcte, hein, franchement. Alors, c'est difficile d'avoir une énorme IA sur PlayStation, hein, parce que les processeurs, à l'époque...
Enfin, y avec les graphismes, les calculs, etc., c'était pas non plus évident d'avoir une IA super réussie. Mais là, pour le moment... Allez, je vais essayer de dépasser la Williams. On va essayer de dépasser la Rose sur le côté. Voilà, c'est légèrement décalé. Elle a vu que je passais, donc ça, c'est bien. Elle est pas bêtement restée au milieu pour me bloquer. C'est Diniz, je crois, sur le côté, ouais, en train de dépasser. Ouh, elle a essayé de passer à l'intérieur, par contre. Ouh, j'ai tapé. Oh, regardez, j'ai tapé, j'ai le... Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai la suspension qui est endommagée. On a une énorme trace derrière nous, et en plus, en vitesse de pointe, je suis en train de me faire... à rouler dessus, complètement. Ouh là là. Alors, j'aime ce détail graphique, regardez, c'est quand même vraiment bien fait. Je peux, hein, je peux continuer. Je vais en profiter pour essayer de rentrer au stand. Ah ouais, je lui ai fermé complètement la porte. Et lui, il s'est mis à l'intérieur et du coup, on s'est accroché. Je me demande s'il n'est pas en train aussi de gêner les voitures derrière lui. Alors, ce qui est bien, c'est que la voiture tourne mieux à droite maintenant. Par contre, on a une accélération qui semble beaucoup moins forte. Et pour tourner à gauche, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, le détail graphique est quand même bien sympa. Ouais, c'est la suspension en devant qui... Alors qu'il y a une voiture là qui est au ralenti, je fais n'importe quoi. J'arrive à la rattraper, mais c'est pas possible. Alors, on a déjà fait la saison 2000 avec le jeu de EA Games, hein, sur lequel on pourra comparer un petit peu. Bah écoutez, pour le moment, je trouve que F1 2000, en tout cas sur ce début de vidéo, lui est supérieur. Hein. Pas au niveau des graphismes, mais au niveau de la fluidité déjà. Ah, j'ai tapé encore une fois. On va s'arrêter au stand. Hein. Allez, on va s'arrêter au stand, mais je crois que j'ai appuyé sur le truc pour aller tout droit. Du coup, je me suis fait n'importe quoi. Et du coup, ils m'ont pas réparé la voiture. Bon, est-ce qu'on peut faire encore un tour comme ça? En tout cas, on n'a pas l'air trop ralenti. Ouais, l'IA s'écarte, ça c'est bien, franchement. Elle sait quand on abuse un peu trop, elle va pas chercher à nous bloquer complètement. Donc ça, c'est pas mal. L'IA, pour moi, le sens est plutôt sympa. Regardez la distance d'affichage aussi du jeu, qui est quand même plutôt bonne. On est arrivé dans le banking. Regardez au loin. Alors effectivement, on voit les détails arriver au fur et à mesure, mais ce qui est le principal, c'est-à-dire la piste, elle, est quand même visible assez loin. Donc ça, c'est plutôt un bon point aussi. Et je suis en train de me rendre compte d'ailleurs que bah, pour le moment, il y a beaucoup de bons points pour F1 2001, alors que c'est pourtant pas le jeu dans lequel qui est resté dans les mœurs de tout le monde. Hein. Tout le monde parle de F1 97 par exemple, ou le tout premier. Mais alors le 2000... Ah bah voilà, j'ai fait n'importe quoi. Le 2000 par contre, lui... très peu de gens en parlent quoi. On parle beaucoup plus du 2001. Alors le 2001 c'est aussi du fait parce qu'il est passé sur Play 2. Bon, je vais rentrer. Et il va rentrer au stand. Je vais tenter de... J'ai fait n'importe quoi. Je vais tenter de rentrer au stand. Alors je vais pas appuyer sur X comme j'ai fait. On voit que la roue est complètement bloquée en fait à droite, hein, simplement. Jack Villeneuve. Alors, tire type, on laisse, rear wing, on va faire go, hein, on va faire ok. Ah, ils m'ont réparé. Oh, attention, on est en train de s'accrocher. Et du coup, c'est l'autre côté de la voiture que j'ai démonté, bah, bravo. Ah là là, mais quel boulet, franchement. Quel boulet. Ah. Bon, du coup, on est toujours dixième, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ratés au stand. Bon, on va quand même essayer de continuer. On est au quatrième tour sur les 5 à faire. Oh, regardez, il y a une voiture qui a un problème mécanique. Apparemment, la Sauber qui est en train de perdre le moteur. Et moi, je pars en glissade. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la piste? Ça a l'air pas trop mal. Allez, je tente de dépasser. De dépasser à l'intérieur. Je pense que la Sauber va pas tenir longtemps. Alors, vous avez vu, quand même, on a fait deux arrêts au stand. On est toujours 8ème. Donc ça, par contre, je pense qu'au niveau des performances des IA, en revanche, il y a quand même un énorme gouffre. Parce que je pense pas comme une Minardi ou une Arrows ou une...
une BR ou une voiture un peu moins bonne puisse se prendre quand même autant de retard en l'espace de 2-3 tours. Pas possible. Bon, on va finir la course, hein, je vais voir ce que ça donne. Hey, je suis troisième. Il y en a qui sont arrêtés au stand. Wow. Ben voilà, il m'a redépassé. Alors les touches L2 et R2 ne servent à rien. Je pense qu'elles servent juste à changer les vitesses quand on est en mode manuel. Le bouton Select ne sert à rien non plus. Le haut et le bas non plus. Parce qu'on peut changer la vue avec L1 pour la vue arrière et R1 pour changer la caméra. Oh là là, attendez, on a trois voitures qui sont retirées. Fisichella, Salo et Mazzacane. Ah, j'étais troisième, je vais essayer de le dépasser quand même. Je vais essayer de passer. Je vais absolument finir au moins quatrième. Même si j'aurais préféré finir sur le podium. Bon, quand même, du coup, pour le côté réaliste, on repassera sur le fait que là, j'arrive quand même à être devant des voitures avec une suspension complètement pétée. Et en plus, je suis en train de rattraper une Ferrari. En plus, on le sent hein, que je suis au ralenti. Oh là là, je fais n'importe quoi. J'ai réussi à couper. Ouh, attention. Ah donc c'est Coulthard qui a gagné. Allez, on finit la course. Alors front end, donc je pense que c'est pour passer à la suite. Le travail c'est pour commencer et donc on va faire un replay. Je vois le replay un petit peu. Alors on peut accélérer si on veut. Voilà, je peux accélérer. Est-ce que je peux changer la vue? J'ai pas l'impression. Si je fais au bas, il se passe rien. Ça, il se passe rien. Non, c'est le jeu qui change la vue lui-même. Mais écoutez, niveau graphique, c'est vraiment pas mal. Franchement, pour de la Play 1, je sais pas comment elle pourrait faire mieux que ça, tout simplement. Je trouve qu'elle est bien. Regardez, il y a même les tribunes qui sont un petit peu animées au niveau des drapeaux. Les 3D sont corrects. Le circuit est bien fait, plutôt précis. Je pense que niveau graphisme, il n'y a rien à dire. Hein. En plus, ça a même les effets de lumière avec l'explosion moteur. Enfin, du pot d'échappement, pardon. Allez, on va faire start, on va faire quit. Et on va voir le mode championnat, un petit peu, voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce mode. Ben, c'est pas beaucoup de modes, hein, vous l'aurez compris, il n'y a pas le mode arcade. Et donc, du coup, c'est Coulthard, pardon, qui a gagné devant Schumacher, Barrichello. Classement plutôt classique pour une saison 2000. Bon, j'aurais mis Hakkinen devant aussi et Schumacher aussi, mais bon. C'est-à-dire que Coulthard était en lice pendant pas mal de courses hein, pour le titre encore. Fisichella, il y a pas mal d'abandons. Hein. 6 abandons. Un peu grâce à moi aussi. Alors, on va faire. On va sortir, on va faire back et on va faire un mode championnat. On va changer de pilote. Je sais pas que c'est qu'on pourrait prendre, on va mettre... On va avancer un peu. Ah bah on a Lee Williams, tiens, par exemple, de Ralf Schumacher. Jenson Button, on a... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Physique est là... Alexander Wurtz... Bon, on pourrait prendre une Prost, mais on avait pris Prost pour la 199, donc je vais essayer de trouver une autre voiture. Prendre une Sauber. Non, alors vous en avez déjà prise aussi. Si on prenait une... Je voudrais bien une Minardi quand même pour voir un peu le niveau de performance. Soit peut-être une BAR. Je trouve que la barre de Debine est plutôt pas mal. Allez, on va prendre la barre de Zonta. Alors que c'est un pilote que je n'aime pas du tout à la base. Comme quoi je me force un peu des fois. Allez, c'est parti. Alors, race setup, je pense qu'on va garder... le réglage par défaut. Mode real. On va laisser les dommages comme c'était là. On va faire course hein, directement.
On va faire une petite qualification pour ce Grand Prix d'Australie. J'ai mis triangle. Je n'ai rien compris. Bon, c'était Ferrari. Mais pourquoi Ferrari? Je sais pas. Allez, on va avancer le temps. Bien sûr, de comparer nos temps, voilà. On va faire Stoff Lane Lab direct. Et donc voici notre petite barre de 2000, plutôt bien réalisée. Bon effet de vitesse, je tire carrément trop le côté, mais c'est pas grave. D'ailleurs, si je me souviens bien, pour le premier Grand Prix de la saison 2000, ça a fait comme en 99, en tout cas chez McLaren, c'est-à-dire que les deux voitures ont eu des problèmes. Et du coup, c'est Ferrari qui a gagné. Sauf que là, c'était Schumacher, hein, c'était pas Irvine. Alors, je sens pas de différence entre les voitures au niveau du son, hein, par contre. J'ai l'impression que c'est le même. On a un petit hélicoptère qui nous suit, ça c'est plutôt classique. On va pas avoir grand monde sur la piste, en tout cas on est que deux. Alors je sais pas si je peux changer. Ah, alors attendez, on va se mettre en kilomètres par heure, ça peut être pas mal. Arrow, on va le changer. On va enlever la map. On va faire back, voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus clean. Moi j'aime bien, je trouve comme ça, voilà, c'est clean, il y a les infos qu'il nous faut. J'ai jamais aimé le fait d'avoir un circuit affiché sur à gauche ou à droite dans les jeux de F1. Même d'ailleurs dans Gran Turismo, j'aimais pas. Allez, sixième temps, on va essayer de faire un peu mieux. On va faire encore un petit tour. Il n'y a pas de consommation d'essence, donc là on peut y aller. Hein. On peut couper légèrement, mais le jeu va nous dire qu'on a coupé à certains moments. Si on abuse un petit peu trop. Et là, regardez, voilà, j'ai trop freiné. Du coup, l'arrière s'est complètement dérobé, donc faut vraiment faire gaffe. Le jeu n'est pas trop permissif à ce niveau-là. Mais c'est quand même réaliste. Avec les pots d'échappement qui explosent complètement. Écoutez, je sais pas vous, mais pour moi c'est une bonne surprise. Ce F1 2000, pour le moment, bah, plutôt sympa, hein, franchement. Je m'attendais pas à ça. 99 avait beaucoup déçu. 98, bon, vous le savez déjà. Le 2001, je trouvais pas mal, mais bon, même la version PS2, je trouvais moyenne. Mais alors le 2000, je trouve qu'il est, c'est un bon compromis. Hein. Ouais, léger ralentissement, mais faut vraiment porter l'attention pour s'en rendre compte. Ah là, j'ai pas fait un bon temps. On va tenter un dernier tour. On va essayer de voir un peu si on peut améliorer là. Ah, le problème, c'est qu'il y a du trafic devant. Ok, la rose, c'est bon, c'est passé. Bon, je pense que le premier secteur, on doit être en avance. Là, par exemple, j'ai un peu trop freiné. J'aurais peut-être dû freiner plus tôt.
Allez, on est en avance. Si je pouvais améliorer encore un petit peu mon temps, histoire de partir une bonne place sur la grille. On peut le prendre à fond. Celui-là aussi. Alors les sons sont pas exceptionnels, ils sont corrects, hein, je veux dire, on reconnaît les F1. Mais ils sont un peu mous, je trouve. Oh, on a fait carrément la pole. Allez, on va revenir au pit. On va avancer le temps. Bon, toujours en tête, on leur a mis 2 secondes. On est en mode moyen, je précise, hein, toujours, je le redis. C'est beaucoup plus comparé l'IA avec le niveau de jeu. Hein. Donc, Ouais, on a 1 seconde d'avance. On va faire une qualifying. Et on va donc démarrer la course. Et on est en pole position. Bon bah... pour la première fois que je commence ce jeu, je fais un championnat, on part en pole quoi. Alors peut-être qu'en mode difficile, ça sera beaucoup plus compliqué. Ah, départ timide de la barre qui se fait reprendre par Coulthard, j'ai l'impression, c'est Hakkinen, ouais, c'est Hakkinen. Oh, la Ferrari qui nous a pris à l'extérieur aussi. On a un Coulthard qui est pas loin derrière, qui est assez incisif. Ah! Oh, la coup de pression, regardez-vous. Regardez les longs, hein. Il arrive, il est déjà là. Waouh! Ah oui, faut pas perdre de temps, hein. Ils sont déjà directement derrière nous. On voit que l'aileron avant est un petit peu endommagé sur la droite. Alors, est-ce qu'on peut remonter sur le groupe de tête? Je pense que oui, parce que si on a fait quand même la pole, c'est que c'est faisable. On a deux passés Schumacher ou Barrichello, je sais pas. Oh, on a failli emmener Hakkinen et finalement, il nous a repassé. Ouh, derrière ça se touche. Ah non, on retire. Ah ouais, je crois que j'ai cassé ma direction. Je crois que j'ai cassé ma direction parce que j'arrivais pas à tourner. Bon bah ça allait super vite. C'est allé super vite. On va laisser ça en résumé comme ça. Bon bah c'est un petit peu dommage quand même. On a... Dès la première course, on abandonne parce qu'on a la suspension grillée. Enfin je crois que c'est la suspension, la direction, mais c'est plutôt la direction. Parce que quand je faisais gauche droite en fait... Bah il se passait rien. C'est pas grave. Et c'est donc Hakkinen qui a remporté la course. Frenzen 5, 6ème, Ralf Schumacher. Faut savoir que la saison 2000, c'est quoi la saison 99? C'était ultra pris au niveau des points. Franchement, si vous avez, en général, quand vous finissez la course, c'est 5ème ou 6ème, si vous n'étiez pas une Ferrari ou une McLaren. Et les points étaient ultra maigres. En gros, vous pouvez glaner entre 2 et 1 point par course si vous étiez vraiment le meilleur des autres. Parce que c'était toujours le système de points avec les 6 premiers. Donc on a un gros classement global, donc ça c'est cool. Allez, on va faire un petit dernier Grand Prix, on va faire le Grand Prix de Tarlagos. En 86 ? C'était 85, je ne comprends pas. Je suis désolé, je n'ai jamais compris. Même dans le 2001, il y a autant de questions aussi, je ne les ai pas compris. Allez, on va faire ça, start filling up. Attendez, il y a les pole positions pour Gaston Mazzacane là. C'est pas possible. Bon alors par contre, ouais, là par contre la chicane du début est un petit peu large. Même plus que large, c'est totalement abusif. Regardez l'espace, regardez l'espace. Normalement en réalité ça s'arrête là. Là où je suis, voilà, stop, c'est ça la largeur de la piste. Mais il reste encore la largeur d'une voiture en trop. Donc ça par contre c'est pas réaliste. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir fait une piste aussi large. Parce qu'après le tracé a l'air de respecter la réalité. Non non c'est ça, bah, le tracé est réaliste. Hormis la largeur.
Alors on entend un petit peu les spectateurs sur la piste. Pas leur chant, mais leur petit... je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs qui font... Les horns, là. Leur klaxon. Ah, si on entend la foule, quand même. Je vous ai rire. Allez, je vais faire un dernier tour pour voir si on peut améliorer. En tout cas, on a le 17ème temps quand même, hein. C'est assez pourri. Je me suis totalement loupé. La voiture elle part en tête à queue. Je pense qu'on fera pas mieux. Bon, je vais quand même finir mon tour histoire de, mais j'étais un petit peu trop incisif dans le deuxième virage. Bon, la voiture freine bien quand même, hein. Par contre, la relance est super lente. On va quand même faire un troisième tour, j'ai quand même envie d'améliorer ce tour-là. En plus on tord, on est au Brésil, on est chez nous là. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire un meilleur temps? Vous voyez l'accélération là, 470 et tout, je trouve que c'est vachement long. Justement, c'est à partir de la 4ème, 5ème vitesse que la voiture elle augmente d'un seul coup à accélérer, à prendre la vitesse, et là, là c'est pas du tout le cas. J'ai un peu freiné fort. Ouais, je pense qu'on peut faire un meilleur temps. Quatrième temps. À 4 dixièmes leader, retourne tout pit. On va avancer le temps. Et on est quatrième. C'est Barrichello qui a le meilleur temps. On a fait end qualifying, yes. Et start race. Alors, Häkkinen finalement qui a récupéré la pole sur Barrichello. Chou, on va partir à 3ème, Zontorn 4ème, 5ème, Frenzen 6ème, Coulthard. Ouais, les Jordan qui étaient pas du tout fiables encore en 2000, hein, si vous vous souvenez du let's play qu'on avait fait. Avec la saison entière, c'était les premiers à abandonner à chaque fois. Et belle position de Verstappen, 10ème sur la rose. Et de Irvine, 8ème aussi. Je crois qu'Orvan était parti 6ème sur la grille, ou 5ème, même 7, non 7ème je crois sur la grille, ou 5ème, ou 6ème au Grand Prix de Melbourne. On va faire une parade là, puis on va commencer directement. Four light, five light, goal. On vient de faire du foot. Allez, c'est parti. Bon, je vais y aller tranquille. Ouh, par contre derrière ça va pas tranquille. Hein, non, non, mais il va me détruire la voiture en fait. Mais il est fou, Coulthard, il est fou. Après j'ai pas fait de setup non plus, hein, vous avez remarqué, donc ça se trouve. La voiture est pas du tout adaptée pour se tracer. Et bon, si on a quand même fait le 4ème temps, c'est qu'on devrait pouvoir. Plus ou moins s'en sortir. Oh là, c'est plutôt bien passé. Oh non, j'étais trop incisif.
Allez, 4 dixièmes de retard sur le troisième. On va voir son vitesse de pointe, on peut remonter, on va essayer de prendre l'aspiration sur la Ferrari. Ah, j'ai juste tapé le mur, mais n'importe comment quoi. Et j'ai eu du bol de pas avoir eu de dégâts d'ailleurs, hein, parce que franchement... Ouais, là c'est pareil. Il va falloir que je me calme. Ah, Frenzen a perdu une place par contre. Irvine a gagné une place 7ème. Et bah ok, local meilleur temps en course pour le moment. Allez, on dépasse la Ferrari. Ouh, j'ai l'impression qu'elle est au ralenti la voiture là. On va se décaler. Ok, j'ai fait n'importe quoi, on est dans l'herbe. Même plus que ça, on est dans le gravier. Alors le gravier est pas trop pénalisant, vous l'aurez remarqué. C'était beaucoup plus pénalisant dans le 98 par exemple. Bon, alors que reprocher finalement à ce jeu ? Comme je vous dis, n'est pas assez dans l'histoire. Bah, concrètement, pas grand chose. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est d'être sorti en 2000 et peut-être d'avoir trop perdu de son aura à cause du 98 et du 99. Du coup, ça déporte un peu les gens de la série Formula 1. Alors, certes, en 2001, c'est revenu. Mais je pense que voilà, y a ça et aussi le fait que bah, la PS2 est arrivée derrière et que la Dreamcast donnait des jeux beaucoup mieux faits. Donc, avec aussi un petit peu moins cet effet hype. Qui a pu avoir en 95 ou 97. Et c'est le meilleur tour pour Ricardo Zonta. On est premier. On est premier, j'avais pas fait gaffe. Il y a Martin Brennan qui dit que la barre est en top condition, tout je sais pas quoi. Donc, on va dire qu'il a raison. C'est qu'on est en tête. Et si on fait pas d'erreur, je pense qu'on peut gagner la course. On va quand même tenter, parce que ça me plairait de gagner une course. Alors, on n'a pas fait Monaco. Je vous avoue que ça me tente de le faire juste sur la fin pour vous montrer, pour voir un peu le circuit s'il est bien réalisé. Parce que c'est pour moi le juge de paix, vous le savez. C'est le circuit le plus compliqué à faire, hein, de toute façon. Donc. Et Frenzen est monté 4ème, Irvine 5, 6ème Ralf Schumacher, ça c'est une physique qui est là, il y en a qui ont perdu là, ils ont perdu des places. Ah bah c'est Barrichello qui a abandonné. Alors les avaries ont l'air quand même assez présentes dans ce jeu, comme dans le jeu de EA Games. Bon, ça se passe bien. Ah, je me suis loupé la accélération et du coup on va avoir le retour de McLaren qui sont... Bah non, finalement qui ralentissent un peu. Allons-nous avoir la pression du moteur Mercedes derrière nous? Ah, il rentre au stand! Ah mais il aurait peut-être fallu que je m'arrête au stand en fait. Ah je crois qu'il aurait fallu qu'on s'arrête au stand, on va tomber en panne. D'accord, mais en fait, fallait qu'on s'arrête au stand au moins une fois. Attendez, est-ce qu'on peut s'arrêter au stand? Est-ce qu'on va pouvoir finir la course?
Ah, je sens que le moteur là il est en train de lâcher. Ouais, l'accélération qu'on a. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout? Attendez, hein. Non, pourtant on arrive à monter dans les tours. Alors, elles sont pas arrêtées au stand. Est-ce qu'on aurait dû s'arrêter au stand ou pas? Je ne sais pas. Tant pis. Bon, bon, on a gagné. On a gagné, ok. Regardez, les roues sont quand même plutôt bien faites. Hein. Elles sont assez rondes. Ouais, je trouve qu'elles sont bien aussi, les roues. Allez, front end. Bon, du coup, on a gagné, mais j'ai pas compris pourquoi ils se sont arrêtés. Ça, par contre, c'est un gros mystère. Parce que s'ils font ça à chaque course, on a gagné toutes les courses. Hein. Oh! Petite musique techno, là, pour conclure. Allez, on va faire OK. Et on a fait le cinquième temps. D'accord, donc on va faire 1.09 encore. Et du coup, bah on a gagné. On a fini qu'à 2 secondes de Michael Schumacher. Donc ça veut dire quand même qu'on a perdu pas mal de temps. Ou alors qu'il s'est pas arrêté lui aussi. Et Diniz a fermé 5... Attendez. Sauber a marqué 2 points. Sauber a marqué 2 points. Et au championnat contre Thor, on est second. Ah, les Ferrari sont un peu loin quand même. Les constructeurs, c'est McLaren qui domine devant Ferrari, Barr, Jordan, Sauber et Williams. Bon bah écoutez, c'est le Grand Prix de Saint-Marin. On va faire les qualifications juste pour voir la pluie et puis on se quittera là-dessus. Même si je voulais à la base vous montrer Monaco. Larini triangle, j'appuie sur triangle, j'appuie sur triangle. Je ne comprends pas ce jeu. Je suis désolé. Ah, on a chaussé les pneus pluie, on va faire Adenstein, voilà, on va faire Go Track. Et on va voir s'il y a une différence de conduite sous la pluie. Est-ce que le jeu gère la pluie ou pas du tout? On va me faire suivre par un hélicoptère là, depuis tout à l'heure. Bon, pour le moment, je ressens pas trop de différence quand même, qu'on soit avec le pluie ou pas. Ah, je peux accélérer à fond, il se passe rien du tout. On a un effet de vortex par contre derrière les ailerons, ça c'est plutôt réaliste. Ah, c'est un petit détail qui plaît, qui me plaît en tout cas. Par contre, non, je suis désolé, la pluie là. Là, le gros défaut du jeu, ça y est, on en a trouvé un bon. La pluie, c'est pas ça. Concrètement, là, je pense qu'on soit sur le sec ou la pluie, il n'y a aucune différence. Alors, je dis pas que si pendant la course il pleut et vous êtes encore en slick, ça va pas être impossible. Ça, je peux pas le juger. Mais en tout cas, les pluies, sur les pneus pluie, ça a pas l'air d'être bon. Et en plus, le jeu a craché. Bon. Bah écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique, le jeu a planté. Bon bah... C'est le plus beau finish auquel on est à faire. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter sur un écran noir. Génial, j'adore ça. Bon bah écoutez, c'était Formula One 2000, édité par Studio 33 Midway. La suite donc de Formule 99. Écoutez, c'est un jeu pas mal, vraiment plutôt bon. Hein. Je suis assez surpris, je m'attendais vraiment à un jeu très très passable. Mais écoutez, réalisation bien bien faite, l'IA pas trop mal, le maniement assez précis. Bon, certes un peu arcade toujours. Par contre, bon, la pluie, malheureusement, c'est pas trop ça. Les licences, les circuits sont assez corrects, à part quelques détails, hein, on l'a vu par exemple à Interlagos. Mais le reste, c'est pas mal. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'est dommage, on n'aura pas vu Monaco. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Et si je vais donner une note à ce jeu, je dirais un bon 16 sur 20 quand même, ça vaut le coup. Ciao tout le monde!